Sam dit nous que c'est Kounia bataille entre KPT avec Gaye Koni, les prend l'autre dimension. Ça veut dire que bataille là prend l'autre phase et m'a dit moi que est-ce que qui est-ce qui a pigo victime là mais qui est en deux et tête exécutif là honnêtement gien tête cap coupé. Ouais, au lieu que nous dit que Jacques l'estimant était dit gien tête qui va le couper hein mais gien tête qui va le couper hein. Eh bien, gens qui m'apprennent là, comme information que nous avons partagé avec les amis internautes, nous, eh bien, les prévoient là, mais les possibles pour que toute tête gouvernement qu'on a coupé. Parce que selon toute dernière information que nous avons des Ivenes, et monsieur certain que, ou bien en bas de tout, eh bien, conseil présidentiel transition, hein, les convoquer au état-major l'armée d'Haïti hein, et la police nationale d'Haïti. Eh bien, dans le cadre d'une réunion qui est faite, dans l'après-midi qui est vendredi, 8 novembre 2024, là. Après que, eh bien, pour yon capable de repasser en revue, ou bien, regarder, réanalyser, disposition qui pral prend dans les cap vini la yo. Ça veut dire, décision pour révoquer gouvernement Koni là, li déjà censé prendre bon côté membre dans conseil là parce que selon toute dernière information et même Gaye Koni monsieur gagne toute information dans mail gagne 5 conseillers sur 7 conseillers qui gagne droit de vote qui déjà signé une résolution et bien pour révoquer Gaye Koni attendez bien ça me dit gagne 5 conseillers sur 7 qui gagne droit de vote déjà 5 là-dedans yo signé une résolution et bien pour capable révoquer Gaye Koni qui donc n'a dit que dans les cas venir là yo et bien ou qu'attendez que conseil présidentiel là li sorti un arrêté qui révoquer Gaye Koni et pas oublier depuis Gaye Koni révoqué c'est tout gouvernement là qui tombé et pas oublier tout et bien trois conseils que nous cités dans scandale corruption BNC hein yo tous les trois tous signé et bien non on dit résolution ça pendant que un ensemble de secteurs qui a demandé pour que trois messieurs ça pas là et bien yo déjà prouvé que c'est eux mettre payant et eux chef payant d'ailleurs c'est eux qui nommé Gaye Koni et bien yo gain droit de révocation. Il va révoquer Gaye Koni des Ibenes. La situation ensemble ça qui annoncé et pour certains il a dit qu'il pas nouvelle parce que quel était KPTA, quel était Gaye Koni, yo yon yo pas dit. Après la nouvelle citoyen. Non, Blaise. Après la nouvelle. On a dit pas nouvelle. En plus on a dit la nouvelle et nouvelle lié en pour ça. On a pour ça. Bamzo, c'est parce que yon nan moun sa quel était KPTA, quel était Koni, yon pas réglé rien en faveur de la République. Et bataille qui est là. Je dis en belle situation. C'est garder qui côté intérêt pays d'Haïti. Vous voyez qu'on y allait avec tout gouvernement. C'est une autre crise que pays a pris. Qu'on est encore. Même si le conseil présidentiel de transition était installé, nous avons déjà dit ça ici en Blaise. Nous avons dit c'est une crise entre deux crises qui était déjà existé entre deux pays. Exact. Parce que l'autre 9 collèges politiques, vous mettez au chita ensemble. Vous savez qu'il y a une philosophie, vous savez qu'il y a une idéologie, vous savez qu'il y a une ambition. Vous n'avez pas de cas. Délivré, marche de 10 ans, tout bon vrai. Vinouin, ouais, sorti avec Gaye Koni, qui te gagne plus passé 12 l'année depuis le patron pays, il n'a pas vraiment maîtrisé ou bien mesuré ce qui a passé dans le pays, il n'a pas de équipe qui était sur le terrain. Je dis, il n'a pas besoin de l'autre résultat que ce soit le bail là. Blaise, soit évalué, ni travail KPTA, ni travail conseil présidentiel de transition, on ne peut pas que vous avez une bonne note. Pour ça que moi même papa population qui baille note am connaît si m'a baille c'est zéro m'a baille tous les deux zéro m'a baille ni capité ni connu moi même parce que je dis si n'a regardé bien plus territoire qui perdu pendant 6 mois conseil présidentiel transition 4 mois gouvernement connien plus territoire perdu plus pour n'a pour quitter la caillou plus pour dans grand groupe et ouais monsieur d'amour qui le conseil présidentiel transition yo plus envie choule communauté internationale là au lieu que prend disposition à position pour gérer question. Oui, nous d'accord. Que Gaye Koni, il pratiquement gagne arrogance dans position là, suite avec convocation que le conseil présidentiel là te fait, puis te chita, puis te gade. Mais en gros, bon, il y a tout le conseil présidentiel là dit, il y a prévoqué le gouvernement Koni. C'est parce que nous sommes d'accord pour crise à continuer à perdre, pour crise à continuer à rester dans le pays. Oui? Après ça, on a pété sous table là, c'est négociation à 30 ans, oui. Puis on te sorti avec une résolution, pour te continuer avec transition, qui a parlé d'élection, bon, dans l'élection Champouel qui a parlé, puis on te accouché avec lui. Puis on te mette au cag la camper, oui. Organe de contrôle là, puis on te mette le camper pour te contrôler ni action gouvernement, ni action la présidence en général, oui. Pour te contrôler transition, oui. KNS, on a mette le camper, oui.
Si vous avez envie de mettre la sécurité, Blaise, nous devons comprendre, pas qu'il y a un et trois sérieux qui t'a réglé. Prends chantier de sécurité, by Leslie Voltaire qui n'a pas d'expertise de la sécurité. Comme si vous prenez un mec qui dit que c'est architecte, qui t'a dû faire étude plan. Et puis, ou arrangez vous. Ou arrangez vous qui sont balis comme responsabilité, sécurité. Qui sa sécurité gagne pour vous avec architecture? Qui sa sécurité gagne pour vous? Qui compte une expertise pour ça? Et n'est-ce que vous n'êtes pas capable? Vous dites oui, vous êtes capable. Convocation et état-major de la MIA, convocation direction générale de la police, ou bien directeur général de la police, ou bien vous commandez la police. La situation, c'est pour continuer avec mission Tibobo qui obéit la police. Ils ont servi avec une question d'état d'urgence sécuritaire pour empêcher la population de manifester. Et bien, c'est augmenter que vous allez augmenter. Sous acidité, sous férocité que la police utilise pour maltraiter le monde qui n'a pas rien à revendiquer le droit de la personne. Pas de l'autre bagaille qui a fait là. Et je dis, peuple haïtien a besoin très, très intelligent. Peuple haïtien a besoin de veiller côté à mes pieds parce que dans le moment ça, c'est le moment qui est plus difficile, c'est le moment plus compliqué, c'est le moment qui peut être plus mal. C'est le moment qui a besoin de plus de monde pour perdre la vie. Parce que vous avez le bas volume avec question insécurité que nous connaissons déjà là, qui a un paquet de problèmes déjà. La situation compliquée. Moun pas même qu'a fréquenté 80% dans la région métropolitaine. Nan. Département de la Tibonite, c'est même pareillement. Qui ça que monsieur fait? Si la personne d'autre évalue là, qui ça que nous dit que vous avez fait? Qui est bon pour la population? Nous pas qu'on est sous gain en base. Mais moi-même, nous cherchons la situation, nous pas jeune. D'après ça, diverses sources rapportent les nouvelles de la situation. Premier ministre recevoir. Il y a une résolution 5 membres qui signe pour Mandel pour l'aller. Sous ce qui parlait avec le journal là, fait qu'on est Laurent Saint-Cyr, Edgar Leblanc-Fils, pas signé résolution. Et nous avons rappelé, depuis quelque temps, il y a une grosse division entre PM Gaïkoni avec le gouvernement et KPTA pendant la population haïtienne était dans une situation qui est extrêmement difficile. Nous avons continué à courir, quitter la caillou et par rapport avec le problème de sécurité. L'hôpital toujours pas fonctionné. Ambulance conseil des axes yon pas ka fréquenter pour porter médicaments, pour mener malade l'hôpital. Nèg yo abgoumen pour pouvoir les personnes. Président conseil présidentiel transition, Edgar Leblanc-Fils. Président ou bien conseil présidentiel, Frinel Joseph. Premier ministre Dr. Gaïkoni, à quelques mois dans le gouvernement, qui te gè la dan, ministre condition femme nan, eh bien, madame Marie Françoise Suzanne, ministre défense là, monsieur Jean-Marc Bercier Antoine, et puis commandant en chef Lamea. Général Derby Guerrier, avec plusieurs autres personnalités importantes dans la société, a participé dans la cérémonie 30e année d'existence du ministère des Conditions Femmes et Droits Femmes. Ils ont discuté sur la question. Regardez qui j'ai au cap Bajaret avec Droits Femmes, ils ont dans le pays. Cependant, M. Damien Mouton Kaepe représente mes dames jusqu'à présent de là-dedans. Ok? Ils ont participé dans l'activité qui est liée avec le ministère des Conditions Femmes et Droits Femmes et ils ont ignoré. Présence, mesdames, dans le conseil électoral provisoire, Ban Champouel, qui a parlé. Et faut que nous disions que le président Kapete, dans le discours, profitez, demandez, pour continuer de travailler ensemble dans la société, parce que pas aucun gros changement positif qui a fait sans participation, mesdames, Blaise Peterson, Zami, internaute. Représentant Kapete, dans l'activité, montrez-nous l'autre fois encore. Volonté, conseil présidentiel, transition, selon vous, pour continuer de travailler avec mesdames, et puis valoriser. Droit que vous gagnez ou bien position dans le pays, la situation. Deuxième, l'autre point que nous regardons là, c'est question d'apprendre que les militaires salvadoriens ont réalisé plusieurs exercices dans le cadre de déploiement que vous comptez faire en Haïti. Militaires et salvadoriens, ils même qui militaires l'armée air, ça veut dire en l'air, dit militaires qui spécialisés dans la question avion hélicoptère. Mais il y a pour déployer très bientôt en Haïti, mais ils ont commencé à entrer dans divers exercices dans le pays et Salvador. Et pas oublier que le groupe militaire salvadorien, ça y est, il y a rentré pour venir capable dans la question évacuation hélicoptère et moun, alors on dit soit policier soit militaire haïtien et soit deux membres dans mission qui t'a blessé pour capable évacuer on dit aller avec eux à faire prendre soin et quand on nécessite. On va regarder ça et pas oublier des événements c'est que
Gagné et Ville Lagonave qui sous Iléan, li recevoir plus passé 1500 déplacés forcés à Kayé. Depuis que nous est bandi yo te fait attaque sur mon Kayé, eh bien moun qui obligé courir quitter à Kayé, eh bien yo obligé prendre ti bateau ti canot bois fouiller sa Iléan, risquer la vie pour aller à Kayé. Qui donc alors pour aller et Lagonave. Eh bien on dit que situation va être très compliquée, mais pour déplacer forcés à Kayé sa yo qui obligé ou même rentre tête rapide de presto dans Lagonave pour pas victime en babal ou bien en bas même bandits armés. Et là, dit que selon UNICEF, il fait qu'on est que, il y a plus que 3 millions de timoun qui besoin d'aide humanitaire. Mais timoun, ça qui besoin d'aide humanitaire, là, c'est à cause question et insécurité, zak violence gangyo, question instabilité politique et mette avec catastrophe naturelle. Autorité dominicaine n'a pas campé dans déportation fait et compatriotes haïtiens la kaye voisin. Et là, dit que, eh bien, 6 ministres affaires étrangères pédagogiques. Haïti, hein. Dominique Dupuis, l'État fait qu'on est qui a une baisse considérable dans la quantité et haïtiens qui diminuent et qui ont déporté la caille voisin. Eh bien, qui ministre et autorité dans le gouvernement dominicain, hein. Eh bien, qui fait qu'on est sémanti par une question de baisse dans la question de déportation haïtien. Et il fait qu'on est qui a une même décision, hein. Chaque semaine, il a déporté 10 000 haïtiens qui irréguliers la caille aux amis internautes. Donc, je dis en là, situation, il peut être vraiment compliqué et amis internautes par rapport avec la situation qui vient la question insécurité et bien qui va suspendre grandir dans la société. Et je dis, je veux que chaque monde comprenne que ça qui est là comme réalité et ça qui est là comme situation, lui vraiment pas être très très compliqué. N'apprendre que ça kidnapping n'est pas campé des Ivenes, qu'on apprend que plusieurs cas kidnapping qui enregistré jeudi vendredi 8 et novembre 2024 et en dit dans la capitale haïtienne non et parmi moun ki kidnappé yo mais ben que plusieurs élèves l'école que bandi kidnappé dans la capitale haïtienne non et désir Venesse c'est moun dit que je dis la situation peut être très compliquée et que ce zak kidnapping n'a recommencé encore parce que pas oublier dit nous ça ouais les gars mais yo les qui ont pas jeune rien yo pas jeune moun pour yo prendre pas jeune et kay pour yo pas jeune bagarre pour déchirer yo va commencer retourner avec question kidnapper moun en dans pays et ça fait ça c'est mettre quoi qui pouvait et quoi par rapport avec situation qui vient là comme insécurité. Des ambassadeurs américains accrédités en Haïti, monsieur Dennis Hankins et puis directrice USAID Jennifer Link qui était participé dans conférence dans Naples dans Atlanta aux États-Unis mais projet financement service assainissement résilient avec climat qui financé par USAID mais qui était présenté par Andy de autorité Sayo dans quatre séances de travail ça. Et vous nous dites que des UNES, dossier mission multinationale soutien sécurité à Haïti. Eh bien, dossier multinationale soutien sécurité à Haïti. MM et MSS. Et président pays Kenya. C'est pas oublié, c'est Kenya qui a dirigé mission ça. Eh bien, monsieur Palé, monsieur Relé, alors président élu États-Unis. Hein? Qui c'est Donald Trump, n'a qu'à discuter quand même, commencer à parler sur question avenir mission ça. Et président, et vraiment, l'idée by Donald Trump, il a une idée rapide sur question travail, mission à faire en Haïti. Est-ce que ça dit que il a discuté vraiment pour que avec Rivé Donald Trump dans pays États-Unis le 20 janvier qu'il va répéter serment, est-ce que il a un super calme avec et Haïti pour permettre qu'il gagne la paix en Haïti ou dis-moi est-ce que président et Donald Trump les mêmes pour commencer pour au moins fermer Gilles sur dossier haïtien que beaucoup connaît mais l'important c'est que président Kenya William Ruto et monsieur toute dernière information monsieur Palé monsieur Relé Donald Trump n'est qu'il parlé mais sous dossier et mission en Haïti Désir Venesse. Bon Désir Frem je tiens ça qui passe en Haïti hein. Parler avec Donald Trump parler avec quel que soit monde qui est lié, c'est l'affaire d'Haïtien. Mm-hmm. Ce n'est pas Haïtien qui décide pour résoudre le problème de Blaise. Nous garantissons le problème dans la perdurer, le problème dans la continuer, prend et dimension au lieu que nous voulons qu'il résoudre. Et ça qu'a fait la Blaise, entre monde qui a dit que c'est chef d'État, monde qui a dit que c'est autorité d'ailleurs, eh bien, vous sentez confortable. Si le peuple haïtien n'a pas pris responsabilité face avec ça qu'a décrit là, Blaise nous garantissons. Non 4-5 mois qui a fini, bagala plus compliqué et nouvel an qui a avancé,
l'a avancé avec malheur, l'a avancé avec douleur pour peuple haïtien, les personnes. Parce que pas ouais, niveau conciliation à réconciliation, non mais ton équipe ça va diriger pays, au contraire, il y a ce symbole division entre eux et qui par modèle pour une population qui déchirée presque dans tout niveau des monde qui cherche assistance tout partout les situations. Désir, m'oublier non, m'gravine avec ancien président Justin Rivet, président provisoire, en 2016 qui était organisé l'élection et qui débat nous avec, qui débat nous Jovenel Moïse comme président. Eh bien, m'gravine avec Justin Rivet et qui lui-même parlait sur le dossier qui est là et bataille qui existait entre KPT avec EPM Gaïkouni. Entendez Désir et puis là, mais m'oublier dit nous ça. M'oublier dit nous ça. Dans les cap vini là yo, pays a ka tombé dans véritable bouleverse. Parce que révoquer gouvernement Konilan, est-ce que c'est ça solution? Est-ce que ça cap porter solution avec problème nous là? Changer ministre dans gouvernement, est-ce que c'est ça cap porter solution dans gouvernement? Révoquer trois conseils que nous cité dans scandale corruption en dans KPTA. Est-ce que c'est ça cap porter solution avec crise qui est là? Bon, pose des questions ou même cap tande et cap garde nous là yo. Ou capable écrire sur vous dans les commentaires. Et si je pose une question à Désir, ni KPT conseiller présidentiel transition, yo. Et Gary Konak tout gouvernement, là, ou même cap gade, cap tandem avec Désir Venès, combien de tabac yo sous tabac ou notre, ou tabac ou moyenne? Combien de tabac yo? Est-ce que c'est zéro pour ni KPT ni Koni? Est-ce que c'est pour KPT, zéro pour Koni? Est-ce que c'est pour Koni, zéro pour KPT? Marconnet. Et sous ta présenté un bilan, sous ta ben un bilan, est-ce que tu as un bilan positif pour Koni, un bilan négatif pour KPT? Hein? Est-ce que tu as un bilan positif pour KPT et un bilan négatif pour Koni? Mais est-ce que tu as un bilan positif pour tous les deux? Ou dis-moi, est-ce que tu as un bilan négatif pour tous les deux? Même qui te répond ça dans les commentaires là. Et réagit. Parce que moi, je dis que, c'est une information qui a venu jouer nous, bataille entre KPT avec Konilan, elle prend l'autre dimension et elle prend l'autre phase. Et l'autre phase qu'elle prend, elle probable dans les cabines là, nous capables d'entendre que KPT a révoqué tout gouvernement Konilan. Bon, bien qu'il y ait été nommé, il y a eu pouvoir de révocation tout. Mais au cas saisi ou tout, que bagala avait une plus compliqué. Parce que, est-ce que nous avons dit directement qu'il y a un pouvoir, il y a un pouvoir de révocation parce que c'est eux-mêmes qui t'ont nommé, qui t'ont voté. Bon, comme il y a... Qu'est-ce qui a un problème? Non, mais écoute, avant d'avancer d'aller, le fait que je joue office de la présidence, et comme qu'on a tout pas gagné ça dans le parlement, vous n'avez pas gagné tout, pas gagné... C'est là que vous avez venu avant. Ah, ok, si vous avez le parlement... Parlementaire, alors même parlement tout, c'est des ça m'a dit, mes amis, m'connais qui m'ont dit, comprendre ça m'a dit, il va dire, ah bon, mais ça désire faire des faces, et c'est si ça, c'est le bon. Si le parlement, c'est bien, et, moi qui dois avancer désir, député qui parlement, sénateur député, ok, sénateur député, et c'est des ça m'a dit, depuis gouvernement qui est installé, depuis c'est pas on va qu'il y ait avec une violation qui tellement alors on trahit de nation que le fait dans dimension pour ta mandé pour ta faire révocation sous place parlement t'attendre une période de 6 mois pour évaluer travail gouvernement pour le voir l'aller et qu'on s'allie dans moment le pays kounya pombagi parlement c'est 4 bouts de papier mettez nek ça là ni décret. Et on dit, à quoi 3 avril, décret 11 mai salien, qui mette nek sa ou la. Le fait que son décret ou accord météo, yo dwe dégager un consensus, yo dwe dégager une énergie, ok, pour que yo capable de jouer en tête avec problème qui existe dans le météo. Parce que, ouais, je mets Gabi Blaise avancé, li dit que KPT a comment. Et je conseille qu'il ne peut pas aller dans devant le juge. Parce que, pas de la cour de justice. Elle dit, les jouer sous ça. C'est ça pour nous comprendre, nous désir. Ouais, dimension débat, il faut que dimension pour comprendre. Et ouais, là, quel que soit le KPT, le TKP, il faut comprendre. Même Jean, M. Gabi Blaise, qui c'est avocat Emmanuel Bertillère, et qui c'est conseiller, qui est cité dans le scandale corruption BNC. Oui, mais Gabi Blaise dit que
c'est la Cour de justice qui t'a doué tendre et conseiller ça. Et parler de la Cour de justice, l'état doué que et parlement avec sénateur et député puisque pas parlementaire, ça veut dire juge Benjamin Félix mais il est pas compétent pour tendre et pour tendre trois conseillers ça. Et bien, c'est même gens si n'a rété dans institution bien que Joseph Bagué parlement mais gè bible chita sous ça et bien, koni lui-même li moutre nèg pa a plus mais tout qui l'ont capable révoquer un ministre ou capable révoquer un gouvernement c'est si dès que parlement après 6 mois l'étape évalue travail gouvernement si que pas satisfait yo t'a révoquer un ministre ou dit monsieur yo t'a révoquer tout gouvernement qu'il y a dans face que nèg a fait là c'est comme si moi ou vini là ba mes forme tête pour aller parce que pas oublier puis gros problème qui existait avec qu'est-ce qu'a pété hein des ifon di bagala clair et qu'est-ce président tournant là ouais qu'est-ce ça président tournant chaque 5 mois li c'est plus gros problème qu'a pété hein c'est ça vous connaissez bien on dit ouais qu'il y a les Edgar té genou harmonisation pas connait comment t'arranger avec Koni que il t'a dit il t'a bien passé avec Koni mais depuis les estival t'a venir hein, le 7 octobre pas jamais gen un conseil des ministres. C'est-à-dire, marionnette entre Leslie Voltaire et Koni, li pas passé bien. Et c'est presque même gens, li capable même gens. Si après Leslie Voltaire, Pralge et Fritz Alphonse Jean, qui sont là, voilà, tout. Ou pas jamais connaît que si les Fritz Alphonse Jean vient président et conseil, si Koni t'a arrêté, si Pralge de problème dans mettre en yo. Alors que si t'es un seul monde, qui c'est le président conseil là le moun yo té là comme coordonnateur avec Libre Cotel yo t'a avancé avec elle et ben tout ça que t'a discuté en termes de décision il t'a arrêté il t'a discuté non on pas fait harmonisation parce que là so bataille Lavalas et puis PHTK mettait avec Makout parce que laissez voter c'est Lavalas rouge gars connaissait PHTK et ligue 102 Makout là li elle dit son bataille qui existait là n'est pas réglé cause pays qu'on y a fait des ordres d'accord ça qu'on y a fait des ordres li par rapport avec salté dit salté promettre jusqu'à présent un peu que j'aime qu'a fait vraiment mais capété a fait des ordres li tout parce que capété avec trois noms qui cité dans la corruption faut qu'on m'a qui dit avec eux selon en pile monde selon en pile acteur mais est-ce que capété a tout à travers ensemble de conseillers qui dégage des chantiers dans mais qui ça ben comme bilan comme résultat de chantier gagnant. Qui ça va comme résultat? Qui ça résultat conseillé là qui là yo qui gagne des chantiers sous compte yo? Est-ce que va être résultat? Non. Oui là c'est ni capet à faire ni capet à zéro, ni Koni zéro. En avance les parce que m'a venir avec Yoslem River. Blaise, ça me t'a dit que sous point ça, moi clair, m'pa pas dire que est-ce que conseil présidentiel ou bien conseil présidentiel transition hein? Il y a provision légale parce que c'est voté, c'est le pouvoir pour le révoquer. Il était voté le pouvoir à partir de un accord politique. Pour moi-même, ma sortie est correct. Est-ce qu'il y a un accord politique qui a été signé entre eux, qui te permet de rendre Garikoni devenu comme premier ministre? Parce que, ouais, que Garikoni l'a plaidé en faveur respect des accords politiques qui ont été ensemble. Parce que jusqu'à présent, on sait présidentiel de l'autre côté. Il n'y a pas en dedans à quoi Blaise. Songez, c'est parce que depuis en la gang, depuis au début, il était déjà violé à quoi politique. Là, Moïse Jean-Charles était arrangé qu'elle te mettait premier ministre. Donc, en plus, dans nous songez ça. Et ça ne t'a pas le permettre, tu es obligé de garder la majorité avec un autre jeu, un autre calcul, avec plus de quantité de membres qui ont voté en dedans conseil. Là. Est-ce qu'elle doit continuer? Dans la discussion, dans la bataille qui vient là. Est-ce qu'elle t'a dû faire objet de révocation à craser le gouvernement? L'elle connaît pour arriver à jouer ensemble secteur qui pour arriver d'accord. Nous mettons l'autre gouvernement campé sous pied. Pendant que moun a souffri, moun a mouru grand goût, l'hôpital n'a pas fonctionné, la police a plein, dit pas de équipement, pas de matériel. Et le premier ministre Dr. Garikoni dit li évaluer, le questionner avec la communauté internationale là, soit ensemble ça qui a offrir avec force de l'ordre en Haïti, qui pas répondre, et c'est 40% qui est là, dans ça qui est promettre que tu as balayé, mais moitié pour arriver,
li mande avec monsieur Dalmo qui est le conseil présidentiel transition l'autre branche exécutif là qui pratiquement gon pouvoir en part entière. Bon, exactement, parce que ça me la reprendre. Et ce gouvernement Koni, c'est ce capité allié. Parce que Koni dit bagay la clé désir. Koni dit que gouvernement, qui est 14 ministères là, capité a 10 ministres. Avec Kominyo. Il y a ensemble, il n'y a pas résumé en Port-au-Prince tout simplement. Il y a ensemble, Kominyo, section communale, qui gagne mode d'opératoire et administratif. C'est Kazek, ASEC, délégué ville, magistrat. Et les vice-délégués à travers les arrondissements et les délégués départementaux. Qui a si bien droit de nomination sous Mounsaïo? C'est la présidence. Depuis tant, qui s'est empêché de nomination ça au fait? Toutefois, que mairie n'a pas fonctionné. Toutefois, que assemblée, section communale n'a pas fonctionné. Limité, gouvernement pratiquement en difficulté. Quel était ministre environnement? L'a besoin. Ni Kazek la, ni Asek la pour le travail avec elle. La besoin, ni magistrat pour le travail avec elle. Quel te ministre et intérieur, li besoin moun sa ou même pour le travail avec elle. Si yo pas là, ou ta ka dit que le conseil présidentiel yo a arrangé que yo mette yon balkade pour empêcher que même gouvernement li avance. Cependant, Blaise, pi gros problème que moun yo ta de gen avec conseil présidentiel yo, yo pas aveugle, DG yo te calé. DG yo pas l'autre côté qui nan tête yo. Yo te wè clair, yo te comprenne. Il y a 10 ministères en bas, mais il y a 14 ministères. Qui est-ce qui vote? 4 ministres régaliens qui a boumé pour Yoblez? C'est même eux-mêmes qui vote. C'est même eux-mêmes. Il y a des gens qui votent et non favorables avec eux. Mais on a choisi. Je dis, hein, c'est parce que nous avons boumé pour procurer plus de pouvoir, pour procurer plus d'intérêt dans ce moment de transition. C'est après qu'il a boumé comme ça, Blaise Fesson. On a venu avec Jean-Dian, c'est président, et Jocelyne Privert, qui est même. Alors, président provisoire, bien dit, hein, et qui parlait, en me supplisant de ça, mais surtout, bataille qui existait entre KPTA et puis gouvernement Konina. Moi-même, je vais toujours répéter. Pas de rien qui justifiait que les acteurs politiques se sont entendus sur cette formule. Il n'est prévu dans aucun article de la Constitution. Cette forme de gouvernance collégiale avec 9 conseillers présidentiels et un premier ministre. Moi, je dis, même gens que le conseil des ministres présidé par le premier ministre Ariel Henry et qu'a nommé un conseil présidentiel de 7 ou 9 personnes, il aurait pu aussi nommer un conseil des ministres. L'article 149 reconnaît au conseil des ministres présidé par le premier ministre les attributs de l'exécutif. Le conseil des ministres, sous la présence du premier ministre, exerce le pouvoir exécutif. Donc, il exerce tous les attributs de l'exécutif. Autant que l'exécutif peut nommer un premier ministre, le conseil des ministres, au lieu de nommer un conseil de gouvernement, il aurait tout aussi bien nommé un premier ministre qui se chargerait de former un nouveau gouvernement. Maintenant, ça fait déjà 8 mois que cette formule est devenue une réalité vivante. C'est le moment pour les membres de cette formule de cesser leur chicanerie inutile et aborder les vrais défis de la société. Les 8 dernières années, 2007-2024, il y a eu 3 investitures de présidents en République dominicaine. Mmh. Pendant ces 8 années, nous n'avons investi qu'un seul président. Comment, avec une telle instabilité, les 3 présidents de la République dominicaine, ils ont procédé à l'investiture, à 3 investitures en l'espace de 8 ans. On nous même pendant cette même période, nous pas investi à un seul président. Ça veut dire, renouvellement personnel, politique, là, qui fait partie même de la dynamique démocratique que nous avons choisi, nous pas décidé de respecter. Et comment, avec une telle instabilité au plus haut sommet de l'État, nous avons garanti le bien-être de nos concitoyens, quand notre seule ambition, c'est la lutte pour le pouvoir à travers une transition indéfinie.
Il faut, en toute urgence, que cette transition, défi de la société, puisse être abordée par une société légitime, librement choisie par le peuple à travers des élections honnêtes, démocratiques et critiques. Donc, il est temps de cesser cette transition et d'organiser les élections, si j'ai bien compris. L'objectif fondamental de toute transition, c'est le retour à l'ordre constitué par l'organisation d'élection. Maintenant, là, mon cap gade, l'État qui gagne un milliard. Now is the time. Les amis, par contre, tu as dit ça, non, Désir Venesse. Je vous aimerais bien clairement dire que l'IPACO, j'aime. Question par collégial là qui pas écrire aucun côté dans la constitution. Ça veut dire là, nego vient avec une formule, OK, pas un problème. Yo vient avec, yo dit que OK, il y a gardé ça le cabay. Mais pendant 8 mois, alors 6 mois, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Bon, 8 mois. Oh, novembre oui, 8 mois. Pendant 8 mois ça nego gain là. Elle dit formule que c'est, attendez bien mes amis. C'est eux même encore proposé formule par collégial 9 moun sa ou, et puis premier ministre. Oui. C'est même eux même encore qui pas ka respecter ça ou te dit. Hein. Ouais, Justin Bribert, ok. Ariel Henry qui te ge pouvoir pour te nommer par collégial ça et puis premier ministre, il te ge pouvoir pour te seulement nommer comme si face mettre un premier ministre en place li. Il a besoin d'un collégial 9 moun sa. Parce que ta plus simple désir. Bah ta plus simple peut-être soit que étant premier ministre ou dis-moi est-ce que yo t'a pas dans cour de cassation laisse t'a pas connait jusqu'à dans cour de cassation pas connait ce qui base t'a choisi et t'a premier ministre ensemble avec lui mais là avec question 9 monde de 9 secteurs différents 9 idéologies et chaque monde a défendre ses intérêts claniques yo et PM dans qui venir tout lui-même l'a défendre intérêts claniques li tout et que des ministres qui dans gouvernement là y a défendre intérêts claniques yo qui donc ou gen un exécutif que tout chaque grain de monde a défendre intérêt client yo intérêt secteur yo intérêt parti yo intérêt moun ki voye yo mais youn pa défendre intérêt peuple là on continue de et comment Justin River c'est pas coup de correspondance que des différences sont abordées et des fuites dans la presse. C'est clair que gain bon lutte pour le pouvoir là et de querelle politique entre monsieur Voltaire et monsieur Kony. Qui regard ou porter sous conflit ça au plus haut niveau de l'État monsieur River. On me dit que les relations entre les deux chefs de l'exécutif à savoir le premier ministre et le président ne devraient pas faire l'objet de tant de conflits inutiles. Les responsabilités de chacun des têtes de l'exécutif, chef de l'État et chef du gouvernement sont clairement fixées par des dispositions de la Constitution. Mais ça, nous avons souhaité que tout le monde rappelle. Constitution 87, là, les fait président entrer en campagne. Ou solliciter le support de la population, le vote de la population. Il fait des promesses, il prend des engagements. Malheureusement, il n'est pas habilité, à travers cette constitution, à mettre en œuvre lui-même ses décisions et la politique gouvernementale de la nation. C'est lui qui a dans l'élection, c'est lui qui fait campagne, c'est lui qui fait promesse, c'est lui qui fait engagement. Mais pour implémenter l'engagement, pour le mettre en œuvre, il lui faut un gouvernement. Et le gouvernement, ce n'est pas lui qui le gère. Donc, or, il se trouve que le premier ministre qui peut mettre en œuvre la politique publique, c'est le président qui le nomme. Et c'est d'ailleurs, et peut-être la seule décision que le président prend de sa propre signature. Donc, il ne devrait pas y avoir de conflit entre un président et le premier ministre qu'il a nommé.
Et il n'y a pas non plus de subordination du Premier ministre par rapport au gouvernement. Ça doit être clair pour tout le monde. Les premiers ministres ne sont pas des subordonnés du président de la République. Ce sont les deux têtes de l'exécutif. Même quand un premier ministre aurait déclaré qu'il rentre dans le bureau président avec l'idée pas, il sortit avec l'idée pas président, malheureusement, ça n'implique pas une subordination du premier ministre au président et encore faire du président le supérieur hiérarchique du premier ministre. Donc, pour moi-même, ça qui manquait, nous, ça qui manquait entre les deux têtes de l'exécution Chamaï, c'est un minimum de sagesse et d'humilité. Un minimum de sagesse et d'humilité pour comprendre que les intérêts supérieurs de la nation doivent transcender sur les petites querelles de chapelle. Et m'a dit aux deux bagages. Les ministres des Affaires étrangères, de l'économie et des finances, de la justice, de l'intérieur, les délégués départementaux, les directeurs généraux de la DGI, AGD, PNH, mais ouais, difficilement un premier ministre qui a empêché un président entretenir des relations directes avec eux. Et je vais plus loin. Nous sommes directeurs généraux de la DGI. Le président de la République me demande chaque après-midi de lui communiquer le montant des recettes perçues au cours de la journée à travers un fax. Vous pensez que m'a tellement senti moins proche président et puis m'a pas communiqué premier ministre l'information, m'a pas communiqué ministre qui soutient l'information. Deuxièmement, m'était ministre intérieur. Mes représentants au niveau des 10 départements géographiques du pays, ce sont les délégués du parti. M'a descendu dans le bureau, j'ai une machine toute déléguée à la cour du Palais national. Ils ont été convoqués et sont en réunion avec le président de la République. Mais les autres dans la réunion, ils n'ont pas venu dire sa présidente, ils n'ont pas venu dire qui instruction recevoir. Ou pensez que m'a dit, m'a fâché avec le président parce qu'il a reçu les délégués en mon absence. Président de la République, je peux en toute liberté appeler un ministre, demander un ministre à le rencontrer. Et il a l'obligation de venir me rencontrer. Quitte à lui d'informer le premier ministre que je l'avais invité à me rencontrer, mais qui instruction que m'bali et que instruction hein, la rapporte au premier ministre, l'a exécuté. Donc, m'kon en réunion avec le premier ministre qui font Neptune. Le président m'appelle. Monsieur le Premier ministre, je m'excuse de m'appeler. Il demande à me rencontrer immédiatement. Je laisse la ligne avec le PM. Je vais rencontrer le président. PM, non. Je ne le fais plus comme chef. Président, moi, il me dit, non. J'informe mon Premier ministre. Magique. Et je me déplace pour aller rencontrer le président. Sans stress, sous clairement, si j'ai bien compris, vous parlez de humilité, sagesse. Mais là, si j'ai bien compris aussi, c'est une question de sens de l'État qui serait à l'origine de ce conflit. Parce que clairement, à vous écouter, il y a une tradition et il y a des dispositions constitutionnelles et légales qui établissent la séparation des zones, les prérogatives de chacun, si j'ai bien compris. Mais le président de la République, l'article 146, il assure le bon fonctionnement des institutions. Ça inclut aussi le gouvernement. C'est de la responsabilité du président d'assurer le bon fonctionnement des institutions. Même quand le premier ministre conduit la politique gouvernementale, mais c'est au président que revient la responsabilité d'assurer leur bon fonctionnement. Comment empêcher au président d'avoir accès directement à se charger de la mise en œuvre de ses engagements électoraux? Maintenant, là, nous parlons de schéma d'élection, nous avons une gouvernance et une intelligence spéciale. Maintenant, il y a des gens qui ont observé, qui ont regardé, qui considèrent que l'inculpation de trois conseillers présidentiels qui appartiennent au corps de le CPT fragilise le CPT. Et si vous aviez à gérer ça, quel aurait été votre comportement par rapport à cette situation, monsieur?
Et là, c'est un petit peu compliqué. Moins d'où déjà que cette formule m'a pas ouais côté au joint. À partir du moment où nous acceptons comme formule, nous sommes encore sous lit, on reconnaît ces messieurs la jouissance des prérogatives qui leur sont. Je ne vois pas comment, mais ça n'inclut pas que les faits qui leur sont reprochés, s'il y a des faits, ne relèvent pas des attributions du président. Parce que le président de la République a privilège de juridiction, je répète, le président de la République jouit du privilège de juridiction pour les crimes et délits commis dans l'exercice de ses fonctions. Si les crimes et délits commis ne participent pas de l'exercice des fonctions du président, la juridiction compétente, c'est la juridiction de droit commun. Maintenant, quand est-ce que la juridiction de droit commun peut intervenir? Et c'est là tout le débat. Du temps où le fonctionnaire exerce sa mission, il jouit de ce qu'on appelle immunité politique, à moins qu'il soit surpris en flagrant délit. S'il n'est pas surpris en flagrant délit, il faut attendre qu'il laisse sa fonction, pour que les tribunaux ordinaires se saisissent du cas. Maintenant, Jodia, et gagner des prises de parole de la part de certains secteurs qui voyaient représenter, qui veulent retirer confiance sur fort, soit inculper ou retirer la CEPA pour ne pas hypothéquer la perdition, ou faire des considérations juridiques, constitutionnelles et au plan politique. Et est-ce que d'après vous ou pas, présence M. Sahou fragilise cette transition? Même pas dire au plan politique, mais au plan moral. Ou quand le proverbe, la femme de César ne doit jamais être soupçonnée. Des membres d'un conseil présidentiel qui gère les intérêts de la République devraient être des irréprochables. Maintenant, clairement, est-ce que vous dites par rapport à la situation ça, c'est des gens qui, comme Simbadou, Tadoué, font un geste de se mettre en retrait et permettre au secteur et d'intervenir et au Premier ministre et M. Voltaire, au président CPPA, Ndaka dit essayer de redresser relations pour et enlever plus ou moins ce grève d'hypothèque qu'il y a sur la réussite de la transition qui inquiète de plus en plus aujourd'hui. Pour être honnête avec toi, moi pas intéressé à ce que dit l'accord du 3 avril. Ça qui intéressé, c'est la Constitution. Et me dit, au niveau moral, il y a un problème. Mais le départ de ces messieurs va ouvrir la voie à quoi? Et le risque de chambouler la transition est aussi visible. Or, comment est-ce que après 4 ans, on s'achemine vers 4 ans d'une transition, finalement, que nous prenons des décisions pour nous dire, on mette fin à la transition ça à travers des élections. Or, toute initiative n'a pas. Si l'objectif, c'est d'assurer le lancement du processus électoral, très bien. Mais s'il s'agit, pour certains, d'asseoir leur pouvoir, d'être les seuls 5 ans. Non, là encore. Je voulais quitter mon fin Tandil et Justin River parce que là, la fait une approche qui est très technique, mais pas oublié. Et c'est un ancien directeur général des GI, c'est un ancien ministre intérieur, c'est un ancien sénateur, c'est un ancien prisonnier et c'est un ancien président provisoire. Donc, Justin River, c'est un qui passe dans l'État contre l'État net, ça l'a dit encore, l'important pour Tandil. Vous êtes tout ancien directeur général des GI, ancien ministre, ancien prisonnier, ancien sénateur, ancien président. Certains d'asseoir leur pouvoir, d'être les seuls 5 ans,
il était organisé toute seule élection en 2015 que pas même conduit à terme. Alors que pendant son mandat, il devait en organiser 3. Le président Moïse est resté 4 ans au pouvoir. Il n'a organisé aucune compétition électorale, alors qu'il aurait dû en organiser 3. Monsieur Ariel Henry, la toute première fois que je rencontre, c'était le 19 juillet 2021. 3 jours avant la fin de la fin de son premier gouvernement, me dit Premier ministre, vous êtes là pour une durée entre 12 et 18 mois. Il faut rapidement lancer le processus électoral. Le 2 janvier 2024, il me rend visite. Me dit Premier ministre, pas quitter mois de janvier à passer son pas formé conseil électoral là. Après 30 mois à la tête de l'exécutif, il y a urgence que soit amorcé le processus de la fin de cette transition. Or, que ce soit avec M. Martelly, je dirais même, avec le président Aristide 2001-2004, Michel Martelly 2011-2016, Jovenel Moïse 2017-2021 et Ariel Henry, les acteurs politiques y ont mené toute forme de bataille, toute forme de guerre, pays loc, manifestation, grève, pour forcer le gouvernement, pour provoquer les départs de ces présidents. Mais jamais sur la question électorale. Depuis 8 mois, pendant 3 ans, Miss Ariel là, où t'es jamais tant d'acteurs pour parler d'élection? Pendant 8 mois qui sont passés là, les acteurs politiques, est-ce qu'ils ont parlé d'élections? Or, les élections, ce n'est pas seulement l'affaire du conseil présidentiel, du premier ministre. C'est aussi l'affaire des acteurs politiques, c'est la société civile, c'est la population. Tout le monde doit avoir un seul objectif, un seul cri, un seul complet. Relancer rapidement le processus électoral. Je dis à ce qu'il nous faut pour ne pas hypothéquer la réussite de cette transition, c'est que chaque acteur dans la société a assumé sa part de responsabilité. Parce que si cette transition échoue, on fait un saut dans l'inconnu et personne n'a pas qu'à imaginer ce qui se passait si rapidement nous pas monter toute volonté nous pour nous organiser élection dans le pays. Que c'est dans interview sur Magic 9 ou bien dans des conversations en background avec vous pour essayer de comprendre les réalités. On te dit nous que si nous allons dans le juge constitutionnel là, nous allons nous rentrer dedans, jouer pour le pays. Et ou pas seulement dit qu'on dit ça, d'autres politiques nous vont parler publiquement au compte ville. Nous faisons aventure là, nous quelque part, où est-ce que nous payons comme prix pendant les derniers mois? Et là, on se bat des mots qui semblaient pour moi des mises en garde très claires par rapport à sa capacité, à plus douloureux que sa crise nous déjà. Là, nous avons une hypothèse. Maintenant, si M. Privert, qui se dit là que j'ai une conversation avec M. Henry, qui est un président que nous sollicitons dans cette conversation ce matin là, t'as gagné pour lui parler avec Monsieur Kony. T'as gagné pour lui parler avec Monsieur Voltaire. En considérant que il y a cette situation de conflit au niveau de l'exécutif, en considérant qu'il y a une situation de guérilla urbaine, de violence terrible et absolue contre la population, des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, une douleur terrible dans les communautés qui victimes de massacres, économie écrasée, et il y a des mouna qui sont des chefs de gang ou, si vous voulez, des leaders de guérilla, et Magipounda Kosso appellation tout à l'heure, là, qui préconise la prise du pouvoir par la force. Et lors du tableau, ça arrive, Monsieur Privert, quels sont les augures pour l'avenir, premièrement, et deuxièmement, si vous avez parlé directement à M. Henry, à part à M. Voltaire et à M. Kony, qui sont à dire? Vous écoutez. La lettre que M. Kony a adressée à M. Voltaire
Il y a deux informations qui interpellent. Il parle des 700 000 compatriotes haïtiens qui sont, ils sont forcés d'abandonner leur domicile et de se réfugier dans des abris provisoires, dans des camps de fortune. Deuxième, lorsque je suis élu président en 2016, les informations qui me parvenaient, il y avait 3,5 millions de nos compatriotes en insécurité alimentaire. Quand j'ai posé la question, qu'est-ce qui est à l'origine de cette insécurité alimentaire, la réponse était que nous avons raté la campagne d'hiver. Ça veut dire quoi? Élection faite en août 2015, élection contestée d'août 2015 à janvier 2016, nous n'avons manifestation à longueur de journée, aucune disposition n'a été prise pour relancer les cultures que traditionnellement nous faisons dans le pays de ça. Et arrivé entre février et mars, 3,5 millions de compatriotes en insécurité alimentaire. La lettre du premier ministre, elle-même parle de, aujourd'hui, les informations laissent croire, il y a près de 6 millions de compatriotes haïtiens qui sont en insécurité alimentaire. Au moment de qui prédiction, qui opinion, grand proverbe qui dit nous, chien gangou, pas joué. Je crois qu'il y a urgence à ce que les autorités politiques comprennent l'urgence de mettre fin à cette crise politique qui ravage le pays depuis tantôt 5 longues années et que le pays retrouve sa stabilité et que des investissements puissent commencer à être implémentés dans le pays pour offrir à nos compatriotes de meilleures conditions d'existence. Que diriez-vous, pardonnez-moi que m'insister sur ça, que diriez-vous au regard de la performance et de la conduite et du conflit de M. Kony avec M. Voltaire? Que diriez-vous à M. Kony? Que diriez-vous à M. Voltaire? Monsieur, faites preuve d'humilité, de sagesse pour comprendre l'éminente dignité de la fonction que vous occupez aujourd'hui. C'est l'intérêt de 12 millions d'êtres humains qui sont en jeu. Ils ne peuvent pas faire les frais de vos querelles inutiles. Je dis à Guéen, regard qui posait ces deux dernières questions à Rabaudé avant de nous remercier. Finalement, les yeux, Bacon, les noms, mon poste, le fin d'année en cause de mon intervention et président privé, ça fait me quitter mon hôtel vraiment. A une quantité pour capable tendre sa cap dian ce qui me porte ici sous ça. Alors d'expérience privée dans l'administration publique là, on pense que ça t'a pensé d'autre élaboré et il t'a difficile pour pas bien position ça, mais pas oublier que Justin Priver et lycée yon Lavalas. OK? Lycée Lavalas en dépit de tout. Et là pratiquement et c'est donc malgré discours analyse correcte. Mais on a senti, à quelque part, on a déjà pensé pour essayer de regarder ça qui est là, c'est une entente qui est de gagner avec le conseil présidentiel, spécialement le président actuel du CPT, qui est également et représentant de la famille Lavalas en conseil présidentiel de transition. Mais moi, j'ai remarqué que l'hiver, pratiquement, qui était content de l'entente avant, il y a un pile avancé qui s'est fait sous considération qu'il regardait là. Il montrait que, peut-être qu'on a tout le temps parlé avec Ned qui était venu comme chef d'État. Président de la République, ou au moins, ouais, qui j'ai mis le pays sous rail, non organiser l'élection, c'est qu'il va dire une faible situation. Et moi, c'est ça, l'éclair, pour que vous compreniez par rapport à la situation. Ça. Mais sans garder la désir, parce que moi, je suis bien ébu de questions d'insécurité, question ça. Mais moi, là, je suis arrivé dans la Tibonite, bien que je suis en compétence, avec ça. Mais bon, c'est qu'une date de fond qui vient dans la Tibonite et qui permet de nous attendre. Parce que pas oublier, mon pension des parents, alors famille victime, massacre pension des gens. Depuis le jeudi 17 novembre, il y a déclenché un mouvement.
Et est-ce que c'est le cas possible, ça a passé, ça a dit, entre de quelques citoyens dans la position D, sur la situation qui a passé dans la Tibonite après la question massacre bandit, base grand griffio fait sur. Nous demandons justice avec nous, besoin. Je nous dis aujourd'hui à faire au moins 5 jours jusqu'à. Je nous dis aujourd'hui à faire au moins 5 jours. Il faut mettre l'action publique en mouvement contre les criminels. Et si le commissaire du gouvernement, Paquet, dans l'ensemble, nous dit qu'il faut que la police, il faut que l'autre qui passe, et pour nous attaquer, gang. Mais son jouet n'est pas fait là. Son jouet et la police, la justice, ou bien le gouvernement pouvoir faire là. Son jouet, son jouet, moi j'étais. Non, son jouet. Nous-mêmes, nous ne sommes pas venus là pour Kenya et pour pourri. Même bien, nous ne sommes pas cachés le but. Chaque soir, après Kenya, nous venons là, venons chez Romba Bangou, venons chez Prestige. Et plaisir, nous venons bien. Nous-mêmes, nous venons plaisir. Kenya avec la police, c'est pour nous aller bataille. Alcazé, ça vient. En fond logique. La police, pas la police, pas barrière, barrière fait. Et puis pour le faire barrière bois, ça veut dire que vous avez un nec savier qui est mon yo. Et nec savier qui est mon nom. Je ne vais pas mettre mon nom par les nationaux. Je vais mettre mon kipiro. L'île est l'état. Au moins, pour tout le monde, ça a mouru. Et puis, où est l'état? L'état a brassé. Au lieu pour nous faire un bagage, c'est pété à boumer pour le ministère. Ou bien, primati a boumé pour pouvoir. Oui. C'est pas possible. Mais moun ki mouri yo pas chien. Moun ki mouri yo c'est moun yo ye. Yo doué jeune justice. Et nous dit ça, l'homme ou cortège de CPT, ou bien cortège premier ministre, n'est pas à l'aise. Mais nous-mêmes qui en bande à l'aise, jusqu'à maintenant nous ne pouvons fonctionner bien. Et il y a information, nous avons kidnappé moun sous mon lien coup, nous avons kidnappé moun sous Kafoupey, en bas de blindé. Ce n'est pas possible. Nous venons là, nous venons demander pour la justice, la sécurité. À l'attaque, Négo. À l'attaque, Négo. Ou continuez à prendre les matériels. Ou qui a été blindé, ça va dire matériel. Matériel disponible. Nous demandons attaquer quand ça vient. Attaquer, nous mourons déjà. Nous mourons. Attaquer pour une justice. Nous prenons la plante. Nous avons eu un mois avec quelques jours qui passent là. Nous demandons justice, ni même avec toute sécurité normale dans le pays. Merci Désir, merci tout le monde. Nous avons quitté le débat et émission ça pour mi-temps. Parce que c'est vraiment important pour nous parler dans la journée en désir. Merci tout le monde, mes amis. Continuez like, partagez, quittez un commentaire, activez la cloche notification. Et puis abonnez-vous si vous abonnez avec.